Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette nouvelle sortie de votre programme hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs. Lorsqu'il est 17h tous les mercredis, en direct de la télévision TR24, nous avons rendez-vous avec vous pour vous balader dans les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Une thématique, comme à l'accoutumée, sera le fil conducteur de nos échanges sur ce plateau. Et pour m'accompagner dans cet exercice, un invité sera bien sûr confortablement installé et ensemble, nous allons pouvoir vous permettre, vous, à la maison, de mieux apprécier le sujet que nous avons choisi de débattre. Les autres rubriques vous seront également servies, notamment la vidéo de motivation, l'avis de notre experte Larissa Boyekao. Je rappelle, l'émission est en direct, elle est interactive. Vous avez la possibilité de participer en nous envoyant un SMS ou un message via WhatsApp à travers le numéro de téléphone qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Nous émettons en direct des antennes de TR24, mais également à partir de l'application TéléPAC, sans oublier que nous sommes aussi en direct Facebook à partir de la page Larissa Boyekao, mais aussi Armstrong Lombardi. Si vous êtes bien installé à la maison, mesdames et messieurs, je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention la première halte de notre émission. C'est une vidéo de motivation, une chanson qui va véritablement vous toucher le cœur, vous donner du baume au cœur et vous mettre en condition avant d'entrer véritablement en action. On regarde ceci et on se prend juste derrière. On est condamné à réussir, franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation, franchement. Où serait-on sans leur sacrifice, comme Mahmoud pour Taïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Oh combien j'admire nos pères, manutentionnaires mais fiers. Si on gâche tout, où est le respect? Si on échoue, où est le progrès? Chaque fils d'immigré est en mission et chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. On peut pas laisser s'évaporer nos rêves en fumée, dans un hall en fumée, à fumer des substances qui brisent nos volontés, anesthésient nos désirs et noient nos capacités. Pourquoi? Parce qu'on vaut mieux que ça, rien n'arrête un banlieusard qui se bat. On est jeunes, forts, et nos peurs sont belles, immenses, et le courage qu'elles portent en mêle. Y a-t-il des faibles ce soir à Bercy, que des femmes et des hommes forts qui lèvent la main ici? Ce texte, je vous le devais, si je l'ai écrit le cœur serré. Si tu pleures, pleure des larmes de détermination. Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Tout le monde. Condamné à réussir, franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation, franchement. Où serait-on sans leur sacrifice, comme Mahmoud pour Taïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Oh combien j'admire nos pères, manutentionnaires mais fiers. Si on gâche tout, où est le respect? Si on échoue, où est le progrès? Chaque fils d'immigré est en mission et chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. On peut pas laisser s'évaporer nos rêves en fumée, dans un hall en fumée, à fumer des substances qui brisent nos volontés, anesthésient nos désirs et noient nos capacités. Pourquoi? Parce qu'on vaut mieux que ça, rien n'arrête un banlieusard qui se bat. On est jeunes, forts et nos sœurs sont belles, immenses, et le courage qu'elles portent en mêle. Y a-t-il des faibles ce soir à Bercy? Que des femmes et des hommes forts qui lèvent la main ici? Banlieusard est fier de l'être, dites-moi, on n'est pas.
si je l'ai écrit le cœur serré. Si tu pleures, pleure des larmes de détermination. Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Tout le monde. Il s'appelle Kerry James, c'est un artiste pas comme les autres, il a des chansons très inspirantes. C'est un activiste politique, un artiste très engagé qui a décidé comme ça de mettre sa plume au service du développement. Et nous avons choisi cet extrait pour véritablement vous toucher vous à la maison. Les paroles de cette chanson nous interpellent particulièrement. Apprendre, comprendre, entreprendre, même quand on a mal. S'élever, progresser, lutter même lorsque l'on a mal. C'est ça également l'entrepreneuriat, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une activité qui est aisée, c'est une activité assez difficile car rien n'est acquis, tout se construit. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous avons choisi de partager avec vous ce court extrait pour vous montrer les difficultés qui se dressent sur le chemin d'un entrepreneur. Apprendre, comprendre et entreprendre même lorsqu'on a mal. Bienvenue à mesdames et messieurs, une fois de plus pour vous qui nous retrouvez sur le plateau. L'émission, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. C'est tous les mercredis lorsqu'il est 17h en direct de TR24. C'est également en direct à partir de l'application Télépac et sans oublier sur nos différentes plateformes internet, la page Facebook Armstrong Lombardi, mais également Larissa Boyer et K.O. Cet après-midi, nous abordons une problématique assez intéressante. Nous parlons, mesdames et messieurs, cet après-midi de la performance en entreprise. L'actualité cette semaine a été marquée par un vaste mouvement des licenciements dans certaines grosses entreprises assez réputées au Cameroun. On ne va pas citer les noms. Ce qui nous a interpellés, ce sont les motifs évoqués, notamment les raisons économiques. De nombreux Camerounais ont ainsi perdu leur emploi car ces entreprises ont décidé de se séparer de ces derniers pour pouvoir procéder à une sorte, on va dire, de redressement pour se relancer. C'est pour ça que nous avons choisi, mesdames et messieurs, cet après-midi, d'aborder la problématique de la performance. Car la réussite d'une entreprise est également liée à la performance. Et qui dit performance parle des ressources humaines. Quelles sont les actions à mener pour améliorer la performance d'une entreprise? Voilà le sujet de cet après-midi. Quelles sont les actions menées pour améliorer la performance de l'entreprise? Et pour mener les débats cet après-midi, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau un expert, on va le dire ainsi, car il est doctorant à l'université Yaoundé 2. Il est du côté de la faculté des sciences économiques et des gestions où il est en cycle doctorat, car il est doctorat en sciences des gestions. Nous avons sollicité son expertise cet après-midi, mesdames et messieurs, pour pouvoir permettre à tous les entrepreneurs qui nous regardent, mais également les porteurs de projets ou alors ceux qui sont encore au niveau de l'idée, de savoir quelles sont les actions qu'ils doivent pouvoir mobiliser pour accroître le rendement, améliorer et optimiser la performance de leur entreprise. Bonsoir et bienvenue Thierry Ngomo. Merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence cet après-midi. Bonsoir Armstrong. Bonsoir à tous les téléspectateurs de TR24. L'erreur, si vous permettez, me revient à un ancien ami, un grand frère, Rudy Tony, à qui je passe un big up. Très heureux d'être ici ce soir, c'est un honneur, c'est la première fois d'être là. Je pense que nous allons bien échanger ici aujourd'hui. Alors cet après-midi, nous abordons une problématique assez intéressante, nous le savons. Après la création et le lancement d'une entreprise, comment réfléchir sur les modalités pour pouvoir augmenter la productivité et la rentabilité de ces activités. Ce qu'on appelle, on va appeler ici la performance
de son entreprise. Nous avons choisi d'en parler cet après-midi au vu de l'actualité. On constate dans beaucoup d'entreprises de nos, cette semaine, ils ont procédé à des licenciements. Vous avez suivi cette actualité? Naturellement, depuis quelque temps, les entreprises se plaignent. Il y a des licenciements partout. Depuis même l'apparition de la fameuse pandémie à coronavirus, jusqu'à présent, les entreprises n'ont vraiment pas repris les activités à la normale. Donc, c'est une actualité vraiment importante. Ce phénomène va de mal en pis. Mais on espère qu'à ce jour, après nos échanges, certains seront déjà édifiés et auront déjà certaines informations qui pourraient les permettre ici-là de pouvoir relancer, avoir des résultats un peu meilleurs. Alors, dans mon introduction, je vous présentais comme étant doctorant en sciences de gestion à l'Université Yaoundé 2, soit c'est bien ça? Naturellement, j'ai fait mon parcours depuis quelques années à l'Université Yaoundé 2, à la Faculté des sciences économiques et de gestion, où je prépare une thèse séjour cette année-ci en gouvernance financière et particulièrement des entreprises et des banques. Donc vous avez la légitimité d'être sur ce plateau cet après-midi? Mon parcours académique me l'octroie. Très bien. Alors, nous allons commencer de prime abord par des clarifications conceptuelle. La démarche scientifique nous l'oblige. On parle d'améliorer la performance de l'entreprise. Si on commençait déjà par présenter à nos téléspectateurs ce qu'on entend par performance et performance de l'entreprise. Merci Armstrong. Parler vraiment de la performance, je vous rassure, c'est un mot assez polysémique parce que le penseur presque dit que c'est difficile de parler, de mettre un contenu exact dans la performance. Parce que, étymologiquement parlant, quand vous lisez le petit Robert, on vous dira que la performance vient de l'ancien français performer, lui-même qui vient du latin performare, qui signifie accomplir un objectif. Et là, parler de l'accomplissement des objectifs, tellement ils sont divers, on ne pourra pas dire que voilà comment on est performant exactement. Mais qu'à cela ne tienne, la performance se repose particulièrement, de façon théorique, sur deux notions. Sur la notion de l'efficacité et sur la notion de l'efficience. Lorsqu'on dit que vous avez atteint vos objectifs, vous avez atteint les résultats escomptés, vous avez atteint cela de façon optimale et rationnelle, avec une certaine logique, on vous qualifiera donc de performant. Et la performance, c'est dans tous les domaines. Vous aurez la performance sportive qui est basée sur les résultats, sur la victoire, la performance physique, même au niveau de l'esthétique, le beau. Mais ici, là, je pense qu'on va s'abstenir au niveau des entreprises. Oui, on va parler de performance de l'entreprise. Naturellement, nous allons aborder quelques aspects qui soient théoriques et apporter des éclaircies sur le plan pratique, comment concevoir concrètement la performance. Et je rappelle de ce fait que la performance également va dépendre non seulement du contexte dans lequel nous nous trouvons, du type d'entreprise et surtout de la perception qu'a le dirigeant, c'est-à-dire l'entrepreneur même de cette entreprise-là. Très bien. Alors, avec la complicité de la régie, nous allons prendre un élément qui essaye de parler de performance. Et on reviendra juste derrière pour coller un mot. C'est quoi la performance de l'entreprise? On prend cet extrait, cet élément vidéo et on se retrouve juste derrière. Ses objectifs de façon optimale. Plusieurs concepts sont liés à la notion de performance. Ils sont regroupés dans ce qu'on appelle le triangle de la performance. Il exprime les liens entre les objectifs, les moyens et les résultats. On retiendra donc les trois notions suivantes. La pertinence mesure l'adéquation entre les objectifs et les moyens mobilisés. L'efficacité est la capacité à atteindre les résultats fixés indépendamment des moyens utilisés. Et enfin, l'efficience, c'est la capacité à atteindre les résultats de manière optimale, en prenant en compte l'économie des ressources. La performance globale, c'est donc la combinaison de ces trois capacités, pertinence, efficacité, efficience. On peut toutefois mesurer différents types de performance. On en retiendra cinq formes. D'abord, la performance économique,
Elle mesure des résultats tels que le degré de productivité, le degré de compétitivité, la performance financière. Elle utilise des ratios et des grandeurs tels que la profitabilité, la rentabilité économique et financière, la performance sociétale et environnementale. Elle renvoie à des réalisations en matière d'écologie, d'éthique, de citoyenneté. La performance relationnelle et organisationnelle. Elle mesure l'aptitude de l'entreprise à concilier les intérêts divergents de ses parties prenantes ou encore sa capacité à nouer des partenariats. Et enfin, la performance boursière. Elle relate la capacité de l'entreprise à augmenter sa capitalisation par le maintien d'un cours élevé et progressif de son cours de bourse. Maintenant que nous avons défini les contours de la performance, il nous reste à comprendre par quels moyens la mesurer. On utilise deux outils appelés tableaux de bord pour nous y aider. Voyons tout d'abord le premier à avoir été conçu. Alfred Sloan a introduit le contrôle de gestion et le tableau de bord traditionnel lorsqu'il était président de General Motors. Il a fait de cet outil un élément essentiel dans la conduite de l'entreprise. La dimension de gestion financière dominait le tableau de bord de gestion. Pour mesurer la performance financière et boursière de l'entreprise, Sloan utilisait des indicateurs tels que le ROI, le ROE ou encore plus récemment le VA. Le ROI, c'est Return on Investment, le retour sur investissement. Il mesure la rentabilité économique du capital utilisé par l'entreprise. C'est donc le rapport entre le résultat d'exploitation et les capitaux investis. Le ROE, c'est le Return on Equity, le retour sur les capitaux propres. Il mesure la rentabilité financière des capitaux apportés par les propriétaires de l'entreprise. Le VA, c'est l'Economic Value Added, la valeur économique ajoutée. Elle permet de mesurer la création de valeur pour l'actionnaire. C'est la différence, le solde, entre le résultat opérationnel et les capitaux investis. Ces trois indicateurs sont donc une excellente indication de la performance économique de l'entreprise du point de vue des détenteurs de capital, c'est-à-dire des actionnaires. Le tableau de bord prospectif est un outil de gestion développé en 1992 par Robert Kaplan et David Norton. Il permet aux managers de contrôler la gestion de la firme en mettant en évidence les sources de performance ou de sous-performance. Il est construit autour de 4 points qui ont pour dénominateur commun un questionnement sur la stratégie de l'entreprise et sur ses ambitions. On mesure donc la performance concernant l'apprentissage et le développement, l'aptitude à innover, à changer, les processus internes, tant décisionnels qu'opérationnels, les clients et leur perception de l'entreprise, et enfin, les finances de la structure et comment elles sont perçues par les détenteurs du capital. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bonne révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, hein, c'est votre émission hebdomadaire, hein, tant pour moi, tous les mercredis, lorsqu'il est 17h, vous avez déjà la possibilité de participer. N'hésitez pas à nous envoyer des messages via SMS ou WhatsApp. Alors, Thierry Ngoman, on vient de regarder là ce cours extra vidéo, c'est des choses que vous manipulez au quotidien. Mais alors, s'il fallait coller un commentaire. Si. Coller un commentaire ici reviendrait à dire c'est une vidéo vraiment très instructive parce que moi-même j'ai encore fait des rappels. Absolument. Oui, oui. Donc c'est de façon classique que cette vidéo a été faite et elle apporte vraiment de bons éclaircies. Et à ce niveau, j'introduirai en disant une fois que lorsqu'on parle de ces éléments-là, certains les trouvent souvent abstraits à la réalité. Alors que lorsqu'il a parlé tout à l'heure de la performance, on l'évoque souvent en quatre temps. On va parler ici de la performance économique, où on va dire comment vous agissez avec les facteurs de production que vous avez. Lorsque vous arrivez à bien combiner ce que vous avez, les inputs, afin d'avoir un bon produit et de pouvoir le commercialiser sur le marché par rapport aux autres. Donc vous utilisez les ressources que vous avez de façon rationnelle. On dit que vous atteignez ici une performance économique.
vous dépensez peu pour avoir un plus. Alors, il y a également la performance financière, elle est plus abordée que les autres. La performance financière ici renvoie à la rentabilité des capitaux. Donc, j'ai investi 15 000 francs, je vais avoir combien sur les 15 000? Au fur et à mesure que vous gagnez de l'argent sur ce que vous avez investi, on dit que vous avez la performance financière. Et c'est celle qui est plus prônée. Certains ont également évoqué ici la performance sociale. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'environnement avec lequel vous évoluez. Et cette performance sociale tient compte des parties prenantes, selon Freeman. En 1984, il dit que lorsque les actionnaires ont déjà, ceux qui ont investi de leur argent, ont déjà eu le retour sur investissement, la performance financière, il est aussi également question de mettre en œuvre les éléments nécessaires pour que les parties prenantes, c'est-à-dire le personnel, l'environnement dans lequel vous travaillez, tout le monde soit satisfait à votre niveau. Et ces deux performances parfois s'opposent. Parce que lorsque celui qui crée son entreprise vise seulement compte des employés. Les employés aussi vont commencer à travailler disant que non, on travaille pour le boss. Alors que les deux devraient, on devrait faire converger les intérêts des uns et des autres. On aura donc là, lorsque le personnel, le petit, les petits gens à côté, l'environnement est satisfait, on dira là qu'on a la performance sociale et sociétale. Ça engage ici la responsabilité sociale de l'entreprise. Certains vont aussi parler de la performance organisationnel, c'est-à-dire en interne, la façon dont on organise un travail. On sait que un dossier doit faire 5 jours. Il a abordé tout à l'heure le tableau de bord, un chronogramme. Une émission doit faire 5 minutes, elle doit commencer à telle heure, le personnel doit arriver à telle heure. Lorsque les objectifs sont atteints, le travail est bien organisé. À ce moment, on a une performance organisationnelle, hiérarchique, la façon de planifier les choses. Donc voilà un peu de façon à ramasser les types de performances. Voilà, nous avons éludé la question de la performance. La deuxième dorsale de l'émission consistera à l'évaluation. Avant de terminer donc avec les différentes actions qu'il faut donc mener pour atteindre donc cette performance. Alors, comment on peut donc procéder donc à cette évaluation de la performance lorsqu'on a cité tous ces différents types de performance? Comment on évalue que telle fonctionne, telle autre ne fonctionne pas? Quel est le process? De façon classique, les théoriciens nous disent que la performance qui prône, c'est la performance actionnariale, c'est-à-dire les investisseurs. On parle plus ici de la performance financière et économique qui sont mesurées à base des chiffres. On a le ROA, le ROE et le EVA. Qui signifie on mesure seulement la rentabilité correcte, le bénéfice que va produire, non, soit le capital, soit les dettes, ou alors la valeur ajoutée que va apporter une entreprise. Simplement, on dit quoi? Si je dépense pour produire, je dépense 15 000 francs et je produis quelque chose qui va valoir 20 000 francs. On se dit que j'ai créé une valeur de 5 000 francs. Maintenant, lorsqu'on a investi 15 000 francs, on paye toutes les charges nécessaires, le propriétaire se retrouve avec quelque chose, ce qu'il a gagné, on appelle ça les dividendes. La rentabilité basée sur les actions, c'est aussi la performance financière. Ce sont les évaluations classiques. D'autres auteurs vont également vous dire que la performance n'est pas seulement chiffrée. Il n'y a pas que des indicateurs chiffrés. Tout le monde les utilise. Même à la maison, quand vous êtes, vous partez au marché, ma maman, par exemple, qui va au marché, lorsqu'elle sort le matin, c'est qu'elle a acheté le planteur de 500 et pas au marché. Elle a vendu ça à 1000 francs, elle a un bénéfice de 500. Ça, c'est la performance financière et économique qui est mesurable. Il y a également la performance commerciale, on évoque souvent ça, qui renvoie ici au part de marché. Donc, quand vous évaluez le nombre de clients qu'il y a sur un marché, vous voyez ce qui vous revient en termes de clients. S'il y a peut-être une population de 100 personnes, personnes, vous avez 40, vous direz que vous avez 40% des parts de marché. On évalue également cette performance commerciale par rapport à vos concurrents. Là, on dira que vous êtes leader, vous êtes second sur le marché. On fera une classification selon le nombre de clients que vous avez sur un marché, la performance concurrentielle ou commerciale. À cela, maintenant, on va impliquer la performance qui n'a pas d'indicateur chiffré. On va parler des indicateurs non chiffrés où on va évaluer maintenant la perception que l'environnement a de vous.
On commencera d'abord ici là par la perception de votre personnel, le personnel interne dans une entreprise. Est-ce que lorsque vos employés viennent, lorsqu'on leur pose la question de leur satisfaction immatérielle, est-ce qu'ils sont vraiment contents? Lorsque les résultats pourront dire que oui, ici là les gars, il y a une certaine bonne ambiance, il fait bon vivre. On pourrait évaluer là la performance organisationnelle. Lorsque vous allez par exemple dans le service public, on vous dit votre dossier doit faire 5 jours. Si après les 5 jours, on vous remet le service que vous avez demandé, il est rendu, on dit s'il y a une performance organisationnelle. On ne peut pas la chiffrer, cette performance-là, mais c'est à base des résultats qu'on obtient. Également, il y a la performance de façon sociétale. Qu'est-ce que l'environnement? Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? C'est pour ça que vous allez voir les entreprises aller faire des dons, aller construire des routes, des écoles. Maintenant, voilà, la perception que l'environnement, les populations ont de cette entreprise-là est également appelée performance sociétale. Elle n'est pas évaluée de façon chiffrée, mais c'est l'idée. L'idée que les gens ont de l'entreprise. Donc, ces évaluations-là seront assez subjectives par rapport aux évaluations chiffrées qui sont totalement objectives. Très bien. Il s'appelle Thierry Ngomo. Il est doctorant en sciences de gestion à l'Université de Yaoundé 2. C'est du côté de soi. Pour tous ceux qui nous retrouvent à l'instant, c'est votre émission du mercredi 17h. Le rendez-vous des entrepreneurs. Hein, cette émission qui ambitionne de vous donner des clés pour à la maison, jeune entrepreneur, aspirant entrepreneur, porteur de projet, vous qui êtes encore à la phase de l'idée de projet, d'avoir les clés, les outils pour être des entrepreneurs à succès. Cet après-midi, nous parlons de la performance de l'entreprise, notamment d'essayer de voir et identifier toutes les actions, autant pour moi, à mener pour améliorer la performance de l'entreprise. Et à cette question, notre fournit des éléments de réponse. Quelles sont les actions à mener pour améliorer la performance de l'entreprise? Nous prenons l'avis de Larissa et on se retrouve juste derrière. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable semaine dans le cadre de notre émission hebdomadaire aujourd'hui. Nous allons parler des différences créées à la performance d'une entreprise. Ici, désolé, je serai un peu rapide aujourd'hui parce que j'ai une réunion tout à l'heure et je pensais faire ma vidéo un peu plus tôt, mais malheureusement, je ne pourrais pas la faire dans les temps impartis. Donc là, ce que je voudrais principalement attirer l'attention, c'est la notion des 3 E, efficacité, efficience, effectivité. Lorsqu'on parle de performance, c'est justement lié à ces 3 aspects-là, mais aussi de façon pragmatique. Que serait dit, est-ce que vous êtes en augmentation de votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous êtes en augmentation de la valeur de votre produit? Ou est-ce que vous êtes dans l'atteinte de vos objectifs? Donc, pour cela, il faudrait d'abord vérifier que vous ayez une cohérence dans tout ce que vous dites. Ça veut dire que ça commence de votre mission, la mise en place de vos différents objectifs, mais aussi les différentes stratégies que vous allez mettre en place. Vous ne pouvez pas dire que vous allez faire, vous avez pour mission d'améliorer les conditions de vie des Camerounais, peut-être pour ceux qui vont s'habiller. Après, vous décidez de mettre au point des vêtements qui ne sont pas de bonne qualité, qui peut-être lorsqu'ils sont lavés 2 ou 3 fois sont ternis, ils sont déchirés. Donc déjà à ce moment-là, vous voyez, il n'y a pas de lien entre votre mission et vraiment la nature de votre produit. Mais aussi, il faudrait une cohérence dans la stratégie que vous allez mettre en place. Vous décidez par exemple de venir en aide à des personnes en situation précaire et vous décidez de mettre un produit sur le marché dont la valeur peut être supérieure à la bourse du citoyen moyen. Ça veut dire que vous savez que le citoyen moyen, s'il veut acheter votre produit, c'est peut-être 10 francs, je prends un exemple comme ça, et vous, après vous le vendez à 100 francs, à ce moment-là, ça n'a rien à voir, vous ne pouvez pas écouler votre marché. Donc, il faudrait un lien logique et une cohérence entre votre mission, oui, votre produit et aussi la stratégie que vous décidez de mettre en place. Ensuite, quoi? Il faudrait également, moi je tiens généralement à dissocier, parce que là on parle d'entrepreneuriat, je tiens à dissocier l'entrepreneur et je veux également dissocier l'entreprise. Donc, il faudrait d'abord que l'entrepreneur en lui-même soit
dans un bon état, qu'il adopte un management assez participatif, parce que lorsqu'il est au début, il n'arrive pas forcément à payer les bons salaires, il ne peut pas se dire que je vais mettre des trucs assez stricts, mais il faudrait qu'il y ait l'aide de la part de ses employés, de la collaboration. C'est pour ça que je parle de management collaboratif ou participatif, hein. C'est vous qui allez voir l'expression qui convient le mieux. Ensuite, ça, dans l'entreprise, il faut voir ce côté humain-là. Vous avez de la main-d'œuvre et comment est-ce que vous allez passer de l'efficacité? Oui, de l'efficacité à l'efficience, c'est un peu ça. L'efficience, ce sont les performances, les résultats, est-ce que vous faites de bons résultats? Maintenant, lorsque vous êtes dans l'efficience, l'efficacité et l'effectivité, dans ce qui concerne l'efficacité, est-ce que les ressources mises en œuvre sont en rapport avec la performance que vous allez faire ou la performance que vous recherchez? À ce moment-là, vous pouvez vous retrouver en situation de sous-évaluation ou en situation de surévaluation. Donc, ça veut dire que si vous utilisez moins de ressources, vous êtes en sous-évaluation, ça veut dire que vous pouvez produire plus ou vous pouvez faire que vos employés travaillent encore un peu plus pour fournir une meilleure ou une rentabilité supérieure encore. Mais si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en surévaluation, ça veut dire que vous avez de petits moyens qui vous permettent de produire une certaine quantité. Et à ce moment-là, à long terme, vous allez vous retrouver avec des fractures, des gens qui sont stressés ou du matériel qui se casse, qu'il faut rapidement échanger. Donc, en fonction du secteur d'activité, il faut également voir ça. Est-ce que vous êtes en efficacité, c'est-à-dire que vous utilisez exactement les moyens en œuvre pour vos objectifs, ou est-ce que vous êtes en sous-activité? Ensuite, vous avez ce que j'appelle la veille concurrentielle. Pour pouvoir maintenir votre niveau de performance toujours top, vous allez faire ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Vous allez voir ce que vos concurrents mettent en place, vous allez voir ce que vous-même déjà, votre produit, comment est-ce qu'il est perçu sur le marché. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir réorganiser ou réadapter votre stratégie. Donc, la veille concurrentielle, vous allez mettre l'accent. Ça veut dire que si vous êtes une entreprise et que vous avez des secteurs clés d'activité, non, mais c'est pas ça, mais que vous avez des compétences. Et ces compétences-là, si vous savez que c'est celle-là qui est votre atout sur le produit ou sur le marché où vous exercez, vous allez le mettre en avant. Mais si vous vous rendez compte que vous allez plutôt, comme on dit, cacher vos défauts et montrer vos faiblesses. Et je crois que c'est un résumé assez rapide de ce que je veux dire. Mais aussi, il faudrait que vous soyez agile. Quand on parle d'agilité, ça veut dire que vous êtes adaptable, ça veut dire que vous vous adaptez sur les conditions, sur les situations de marché. Si le marché est en récession, ça veut dire qu'automatiquement, votre entreprise va passer dans ce mode d'organisation-là où il pourra facilement se mettre en ralentissement sans pour autant nuire énormément à votre fonctionnement. Vous pouvez également, si le marché est en croissance, extrême croissance, votre organisation au sein de votre entreprise peut également permettre noter un peu toute cette valeur ajoutée qui va se trouver tout autour de vous. Donc, le secret, c'est simple, il faut être cohérent dans ce que vous faites. Mission, stratégie, produit, il faut être toujours dynamique, il faut toujours aller encore et encore et encore et encore. La persévérance et la foi, l'atteinte de son entreprise, que mon entreprise ira loin. Il faut également contrôler, comme on dit, toujours être concurrentiel. Et je pense que lorsque vous appliquez tous ces différents types-là et sur votre entreprise, vous garantissez la pérennité de votre entreprise. Désolé si j'ai été bref, mais n'hésitez pas, si vous souhaitez connaître les différentes stratégies à mettre en place sur votre entreprise, vous qui êtes jeune entrepreneur, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Larissa Boaïkao, Facebook, YouTube, Instagram. Je serai toujours ravie de vous répondre. Je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Excusez de la qualité sonore de cet élément. Néanmoins, c'était l'avis de notre experte Larissa Boaïkao.
du côté de la France, qui participe comme tous les mercredis à la réalisation de ce programme. Je rappelle, nous parlons de la performance de l'entreprise. Alors, Monsieur Ngomon, dans cette vidéo de Larissa Boyekao, qui est une experte en création d'entreprise et gestion et tout, aux choses compliquées des sciences et des gestions économiques, là, je retiens les trois E, efficience, efficacité et effectivité. Alors, pour la gouverne de le téléspectateur, pour que ce soit encore plus clair, alors, à quoi renvoient ces notions? Alors, efficience, efficacité et effectivité. Alors, la performance est souvent abordée par ces trois notions, est caractérisée par ces trois notions-là. Lorsqu'on dit qu'on est efficace, c'est le fait juste d'atteindre les résultats, peu importe les moyens qu'on emploie. Certains parlent de la méthode allemande. Donc, peu importe, tout chemin mène à Rome. L'essentiel, c'est d'arriver. Voilà. Également, l'efficience ici maintenant, c'est la rationalisation de l'efficacité. Le fait de limiter les dépenses, de réduire au maximum ce qu'on engage pour atteindre les mêmes objectifs. Et on doit faire cela de façon pertinente, de façon logique et bien organisée. Ce qui donne, c'est ça, c'est le troisième point qui dit la logique et l'organisation qui conduit qui à l'effectivité et que ce soit fait de façon logique. D'habitude même on ne parle pas de l'effectivité, mais on parle plus de la pertinence. Donc on va vous dire, il faut être pertinent, efficace et efficient pour qu'on soit performant. Mais le plus important pour une entreprise, c'est souvent d'abord pour les entrepreneurs d'être assez efficient. D'accord. Efficient. Elle a parlé également de la veille concurrentielle. Oui. C'est également un élément important dans la performance. La veille, qui vient du verbe veiller. Alors ici, ça renvoie à dire que on ne fonctionne pas en autarcie. Ouais. On fonctionne dans un environnement des gens est très concurrentiel avec la mondialisation et la globalisation des échanges. Une structure ne peut plus se retrouver seule sur le marché, sauf de façon spéciale avec le monopole qui est très rare. Mais lorsque vous êtes en concurrence, lorsque vous êtes sur un marché, vous devez savoir que vous avez un concurrent. Vous devez donc toujours rester en veille pour regarder ce que les autres font. Qu'est-ce que l'environnement veut déjà? Si les autres utilisent déjà la 4G, si les autres utilisent déjà la 5G, vous-même aussi, vous devez adopter ces stratégies-là. Il ne faudrait pas rester en arrière ou alors ne pas savoir ce que les clients veulent déjà. Vous savez, le client est qualifié chez nous comme le roi. Non, pas le roi vraiment, mais cet homme qui est vraiment ondoyant, comme on le dit souvent, parce que le client change chaque jour. Un client n'est jamais statique, c'est une mobilité ou alors un dynamisme perpétuel. Il faut toujours essayer de le comprendre. Quand le client est satisfait aujourd'hui, vous devez faire l'effort encore plus demain. Alors là, vous avez parlé du monopole. Alors, il y a des entreprises qui ont quasiment le monopole. Si on prend par exemple l'entreprise qui nous donne l'énergie électrique, si on prend l'entreprise qui nous donne le poisson, alors est-ce qu'ils sont également concernés par la veille concurrentielle? Naturellement, lorsqu'on parle d'énergie, l'énergie n'est plus que électrique. Pour avoir de l'énergie, Eneo n'est plus la seule. L'entreprise qui distribue l'énergie électrique au Cameroun n'est pas la seule. Parce que vous pouvez aussi également voir, lorsque vous êtes en situation de monopole, il y a les petites activités qui se développent par-ci, par-là. Il y a des lampes solaires, il y a l'énergie solaire qui se développe, il y a les groupes électrogènes, il y a ceci, il y a cela. Même dans la distribution des produits frais et congelés de l'océan, il y a des petites entreprises également qui sont là. En étant sur le monopole, comme on le dit souvent, c'est facile d'être premier, mais se maintenir également, il faut faire encore plus d'efforts. Vous-même, vous voyez, quand on était à l'école, quand vous êtes premier, vous allez même travailler plus que le dernier, parce qu'il ne faudrait pas descendre. Et ça implique alors maintenant la veille stratégique. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne et vous renverser. Et vous ravisse la place. Oui. Voilà. Alors, nous allons rentrer donc de plein pied dans, dans le vif du sujet. Nous étions encore dans les pros, les gros mènes. Alors, Thierry Ngomo, quelles sont donc les actions à mettre en œuvre pour cet entrepreneur-là
qui a lancé son projet pour optimiser, améliorer la performance de son entreprise. Parce que malheureusement, on assiste à un phénomène qui n'est pas gai d'entendre, les entreprises qui sont créées et après un ou deux années d'existence se mettent la clé sous le paillasson. Alors, est-ce que c'est un problème de performance? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on crée une entreprise et un an plus tard, on se retrouve en train de fermer? Alors, si vous permettez, je vais d'abord revenir sur une conception, une publication qu'a faite le professeur Sangifosso dernièrement avec ses collègues. Le professeur dit que la performance chez nous en Afrique va dépendre de l'entrepreneur et du dirigeant. Il y a le dirigeant qui va penser que la performance serait que son nom soit un peu plus vu, dont l'entreprise sera axée sur sa personne. Lorsqu'on parle de lui, lorsqu'on parle d'elle, pardon, cette personne-là, lorsque on fait des éloges, lorsque son nom est connu, il atteint sa performance, le dirigeant atteint sa performance. La performance ici peut aussi être l'enrichissement personnel du dirigeant ou alors la satisfaction des personnes. Ça va donc dépendre de la conception. Donc je voulais vraiment qu'on éclaircisse encore cette partie-là. Parce que la performance, vous pouvez voir une entreprise qui sombre, mais le dirigeant lui est à l'aise. Parce que lui, c'est sa perception là-bas. Il veut être riche seul ou alors il veut juste qu'on parle de lui, peu importe les moyens qu'on emploie. Et si on revient maintenant, qu'est-ce qu'un entrepreneur doit faire? De façon théorique, on dit souvent chez nous, en gestion, qu'il faut un entrepreneur, une idée d'affaires et les moyens. Un entrepreneur, une idée d'affaires et les moyens. Alors, l'entrepreneur, je pense, l'émission a déjà consacré assez de temps, assez d'émissions pour parler de l'entrepreneur. L'idée d'affaires doit être accompagné par une opportunité d'affaires et les moyens nécessaires. Mais pour faire un peu plus de manière générale, lorsque on veut déjà parler dans notre contexte, comment amener les entrepreneurs ou alors les entreprises performantes, on va toucher trois piliers ou bien trois facteurs. Il y aura d'abord là le dirigeant de l'entreprise ou l'entrepreneur, il y aura l'État, les pouvoirs publics, il y aura les partenaires économiques, il y aura maintenant l'environnement. Lorsqu'on aborde le sujet de l'entrepreneur qui est au centre de l'entreprise et de la création de l'activité, nous abordons ici deux aspects. Il y a l'aspect des qualités d'un entrepreneur et l'aspect des connaissances d'un entrepreneur qu'on doit réunir. Parce qu'un entrepreneur doit avoir certaines qualités. Vous savez, on dit, il faut, première qualité que nous on donne en science, en cours de gestion, on va vous dire, un entrepreneur doit avoir confiance en soi. C'est votre idée, c'est vous qui décidez de créer une entreprise, vous devez d'abord avoir confiance en vous-même. Vous devez, deuxièmement, vous dire que vous allez courir le risque. L'entrepreneuriat, c'est un risque qu'on décide de courir. Maintenant, il faut également savoir que vous devez avoir le sens de la discipline. Vous devez être discipliné. Vous vous engagez dans un projet, il va falloir vous donner une discipline de vie, un chemin à suivre. Un entrepreneur doit projeter sur le long terme. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez créer une entreprise, demain vous aurez des bénéfices. Non, vous devez viser sur le long terme. Un entrepreneur doit savoir qu'il pourra faire face aux échecs. Donc, il peut échouer aujourd'hui et demain, il se relève, ainsi de suite. Ce n'est pas un chemin linéaire, non. Il y a des parcours. Un entrepreneur également doit savoir qu'il doit chercher l'information et la relation. On n'entreprend pas étant assis chez soi seulement, on crée son entreprise, c'est là. Il faut avoir un certain réseau relationnel. Maintenant, un carnet d'adresses, voilà, comme vous le dites si bien. Et à cela vont s'ajouter donc les connaissances particulières, c'est-à-dire dans le management. Lorsque vous décidez de créer une entreprise, vous savez que vous allez devoir gérer les hommes. Il vous faut des connaissances en management des hommes. Il vous faut des connaissances sur la réglementation. Il vous faut connaître, on crée les entreprises où? Quelles sont les modalités pour créer une entreprise? Quelles sont les structures d'accompagnement?
Comment on fait? Comment on va payer les impôts? Vous devez avoir ces connaissances-là. Ou alors, vous entourez des personnes qui pourront vous accompagner dans ce sens. Parce que, Armstrong, je le dis avec expérience, la plupart de nos entreprises naissent du coup de l'envie ou alors d'une passion qui est née. Un beau matin, on se lève, je vais créer un snack bar, restaurant, parce que je vois les autres. Deux jours après, vous fermez. Je vais acheter des glaces, je vais faire de la glace. Vous n'avez même pas étudié le marché. Est-ce que vous aurez des clients? Est-ce que vous savez ce que les autres font? Est-ce que vous avez déjà des idées? Est-ce que vous avez fait des comptes? C'est-à-dire, vous avez un business plan? Est-ce que vous avez évalué le coût de l'investissement? La rentabilité va se mettre sur combien de temps? Parce qu'on engage souvent des coûts énormes, se disant que deux jours après, on va récupérer. Retour sur investissement. On se retrouve, il n'y a pas de retour sur investissement à l'instant. Donc, ces connaissances financières-là, ces connaissances juridiques, l'entrepreneur doit les avoir. De façon globale, on va dire, le profil de l'entrepreneur est important. C'est un facteur majeur pour la performance d'une entreprise. Beaucoup de travaux expliquent la performance par le dirigeant. Lorsqu'un dirigeant est bien nanti, l'entreprise peut atteindre la performance. Ça a été le cas dans plusieurs entreprises où l'entreprise va même s'identifier grâce à la manière de manager de son dirigeant. On va également parler ici de l'État. Qu'est-ce que l'État fait? L'État ici a deux types d'actions. L'État a des actions directes sur la performance et des actions indirectes. Lorsqu'on parle des actions directes que l'État peut faire, c'est les subventions que l'État alloue directement à une entreprise particulière. Les aides que l'État peut faire, ou alors des abattements fiscaux que l'État octroie à certaines entreprises selon leur situation. Alors, on dit souvent aux entreprises de se rapprocher des services compétents, de ne pas souvent rester chez soi, aller vers la Direction générale des impôts, les structures concernées. Vous allez avoir certains avantages qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir soulager non seulement leur charge salariale, mais également leur charge fiscale. Également, les actions indirectes que l'État va mener ici, là, c'est au niveau de la réglementation et au niveau des infrastructures. Au niveau de la réglementation, lorsque l'État constate, par exemple, que les entreprises vont mal, ou bien alors la conjoncture n'est pas bonne, l'État peut décider de baisser les impôts. Absolument. Comme ça a été le cas avec la loi des finances de 2022 jusqu'à présent, où l'impôt sur les sociétés est quitté de 33% à 27,5%. Il y a eu un abattement de cet impôt-là. Par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui est qualifié de zone de crise économique, l'État a réduit certains impôts à zéro afin de permettre à ces entrepreneurs-là de pouvoir se relancer vu la conjoncture. Et également, l'accompagnement fiscal est également important où l'État crée des salons d'accompagnement pour éduquer les entrepreneurs. Comment se passe la fiscalité? Parce que certains ne comprennent même pas. Et l'État a donc ce devoir-là de les accompagner. Ça, c'est de manière indirecte parce que ça prend tout le monde. Et chacun devrait donc s'approprier et profiter de cet espace-là. Également, l'État va agir au niveau des infrastructures. L'État doit construire le nécessaire, des voies de communication, l'énergie, l'État doit pouvoir donner l'énergie, l'État doit créer un cadre favorable pour le développement de ces entreprises-là. Donc, lorsque l'État a déjà réuni ça, c'est beaucoup. Déjà, vous voyez avec le problème d'énergie, il y a des entreprises qui ne fonctionnent pas juste parce qu'il n'y a pas d'énergie. Si une entreprise pouvait avoir l'énergie nécessaire, donc, par ricochet, sa performance, elle aura une activité qui soit un peu plus croissante et pourrait avoir cette performance-là. Étant donné qu'on a l'énergie, je prends un exemple concret. À soi, il y a beaucoup d'activités qui fonctionnent grâce à l'énergie. Les secrétariats, les photocopies, là. Le jour où on coupe l'énergie, il n'y a pas photocopie, vous êtes obligé de fermer si vous n'avez pas un groupe électrogène. Et lorsque vous allumez votre groupe, vous mettez votre groupe en marche, il va falloir augmenter le prix parce que vous allez payer un peu plus cher le carburant, ainsi de suite. Donc, l'État a un rôle également à jouer sur ce développement-là. Est-ce que la croissance, la performance est également mesurée par la pérennité, le fait de durer sur le temps.
Et à côté donc de l'État, il y a les partenaires économiques avec lesquels les entreprises fonctionnent. En premier, on a les partenaires financiers, c'est-à-dire ceux qui octroient les financements. Tout le monde sait, il est clairement dit qu'au Cameroun, l'accès au financement n'est pas chose aisée pour les entreprises. L'État a même eu à créer plusieurs une banque d'accompagnement, une banque pour les PME, mais qui tend, c'est un peu compliqué. Et les banques classiques, qui sont beaucoup plus des filiales étrangères, n'octroient pas. Et n'octroient qu'aux grosses entreprises. Oui, c'est difficile qu'on octroie. D'ailleurs, que les informations, même aussi, que nous-mêmes nous apportons souvent, ne sont pas assez claires, il n'y a pas de garantie, puisque les études ne sont pas bien faites pour que les banques vous octroient. Donc, les banques peuvent jouer un rôle, les établissements financiers en général, jouent un rôle sur la performance de ces entreprises-là. Parce que lorsqu'on vous octroie un crédit, on va pas, on le contrôle, on vous accompagne dans la réalisation du projet que vous avez lancé. Et ça peut vous amener à être plus performant. Et lorsque certains pensent que lorsque vous êtes endetté, vous êtes un peu plus performant, sachant que vous devez rembourser le prêt que vous avez, l'emprunt que vous avez contracté, vous serez obligé d'être un peu plus rigoureux dans votre manière de gérer. Donc, les établissements financiers, s'ils peuvent contribuer également à cela. Il y a également le secteur d'activité. Vous faites dans quelle activité? À travers les organismes, les syndicats professionnels. Lorsqu'on dit vous faites dans le journalisme, vous avez tout un syndicat. Vous êtes dans le transport, vous avez un syndicat. Le syndicat ici devrait accompagner les nouveaux qui viennent d'entrer dans le domaine en leur soutenant, en les protégeant comme une famille. Parce que lorsqu'on va parler des chauffeurs, de taxi, il faudrait que lorsque quelqu'un entre nouvellement, les autres chauffeurs puissent lui apporter un certain soutien pour l'amener à être debout. Parce que lorsque vous êtes comme un enfant, la famille va vous amener à apprendre à marcher. Voilà comment ça se passe dans notre domaine. Donc, c'est ça le rôle des partenaires et des professions. Il y a également maintenant le rôle de l'environnement. L'environnement. L'environnement ici est beaucoup plus abordé. De façon théorique, on parle de la théorie de la contingence, c'est-à-dire du tout dépend. Toute performance va donc dépendre de l'environnement dans lequel vous vous situez. Voilà. Lorsque votre environnement, on vous amène donc à faire un diagnostic stratégique. Vous regardez dans votre environnement, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous et quelles sont les menaces auxquelles vous pourrez faire face. Lorsque vous avez fait ce diagnostic-là, vous saurez déjà comment vous amener. Alors, l'environnement ici, là, on va aborder l'aspect de peut-être la religion, par exemple. Lorsque vous investissez, vous devez tenir compte des croyances des personnes ou bien de vos potentiels clients. Lorsque, par exemple, vous allez aller dans le nord, vous dites, je vais faire l'élevage des bœufs, ou par exemple, l'élevage des porcs. Vous savez bien que la zone du nord, c'est la zone fortement à majorité des musulmans. Vous ne pouvez pas exercer telle ou telle activité là-bas. Il y a même des pressions religieuses. On va même vous dire, on ne va pas vous aborder. Vous ne pouvez pas faire l'activité qui va dans le sens de l'alcool, ainsi de suite. Donc, l'entreprise doit tenir compte également de ces pressions-là lorsqu'elle définit son activité pour atteindre la performance. Lorsque vous allez dans des zones, par exemple, comme Soie, où le pouvoir d'achat des étudiants est limité, et vous partez vendre des produits qui sont assez onéreux. Ouais. Vous partez, par exemple, on va dire des téléphones, dans la vente des téléphones. Soit ce sont les étudiants. Vous partez installer une entreprise de vente de téléphones où le téléphone commence à 150 000 francs. Naturellement, vous n'allez pas pouvoir avoir. Ce sont des étudiants. Ce sont des gens. Nous, on achète des téléphones de 10 000, 15 000 ou bien deuxième. Donc, quand vous venez avec un certain type de produit, vous devez tenir compte du type de client auquel à faire face à cet environnement-là. Maintenant aussi, vous devez tenir compte de la sécurité. Lorsque vous voulez faire certains investissements, vous devez voir le cadre sécuritaire. Est-ce que si je vais installer tel type d'entreprise dans tel endroit, est-ce que vraiment je serai en sécurité par rapport à l'aspect? Si vous partez installer dans les quartiers un peu difficiles, une boutique vitrée, donc, on voit tout de l'extérieur, pas de vigile. Donc, la nuit ou le matin, vous allez seulement constater qu'on a cassé, ainsi de suite. Vous allez dire que vous avez perdu parce que vous n'avez pas tenu compte du contexte sécuritaire. Et maintenant, il y a également le contexte sanitaire. La santé joue beaucoup. Avec l'intégration ces derniers temps du bio dans
la logique des consommateurs, on veut consommer le bio, avec également la forte technologie qui entre, avec également les mesures environnementales. Vous voyez, dans certains pays, on va vous dire, si vous ne respectez pas les mesures environnementales, nous, on n'achète pas votre produit. Oui, donc on doit aussi tenir compte de ça. Et l'aspect technologique, lorsque vous fabriquez encore de façon artisanale votre produit par rapport à ceux qui essaient de mettre un peu de technologie, c'est un peu difficile de faire la concurrence. Vous allez facilement vous abandonner à vous-même. Parce qu'on est souvent arrivé dans certains cas où le premier jour que vous créez votre entreprise, vous produisez quelque chose de façon normale. La clientèle commence à venir. Vos moyens matériels ne permettent pas de soutenir la clientèle qui va venir. La demande sera très élevée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à baisser la qualité. Il y a eu ça dans certains produits de consommation de la boisson. Quand on donne la première boisson, vous voyez, les clients sont satisfaits. Mais on constate avec le temps que la boisson devient diluée. Parce que la demande a augmenté, l'entreprise n'a plus les moyens nécessaires pour répondre à cette demande-là. On commence à faire la mauvaise qualité. Merci pour ce bel exposé. Et j'ai retenu quelque chose. On a parlé du manager lui-même. On a parlé de l'état, de l'environnement. Mais dans tout cet exposé, il y a un élément. Peut-être que vous avez omis, soit volontairement ou involontairement, le personnel de l'entreprise. Quelle est la place du personnel de l'entreprise dans la performance? Alors, la ressource humaine. La ressource humaine joue un grand rôle. Ça a créé toute une théorie. La théorie des parties prenantes. Absolument. Avec même encore, on appelle après l'école classique, parce que la gestion naît de l'école classique de Taylor, où on essaie de rationaliser le travail, mais on prend l'homme ici là comme un instrument nécessaire à la production. La théorie des relations humaines va naître en disant que non, l'homme n'est pas seulement un instrument, il faut tenir compte de cet homme là où on crée toute une logique de pensée. Il y a ceux qui pensent seulement GRH, la gestion des ressources humaines. Ou alors la gestion des relations humaines. Lorsque vous employez des personnes, ça revient aussi aux compétences du manager. Vous devez savoir que lorsque j'emploie une personne, il faut tel profil. La personne va commencer le travail à tel moment et doit achever à tel moment. Donc vous devez également avoir des compétences en management des ressources humaines. Maintenant, les ressources que vous employez, en principe, c'est comme une société. Ces ressources-là, chacun aura ses objectifs, chacun aura sa vision des choses. C'est maintenant aux dirigeants d'essayer de canaliser ces divergences pour atteindre les objectifs. Et bon, d'aucuns parleront de la formation des employés, le renforcement des capacités, des séminaires et autres. En fait, mettre le travailleur ou alors l'employé au cœur de l'entreprise pour l'atteinte de la performance. C'est un problème également qu'on rencontre au quotidien avec les recrutements dans certaines structures qui tiennent plus compte de la relation que de la formation de l'individu. Alors, vous allez voir des entreprises où l'entrepreneur ou alors le DG s'appelle Ngomo, comme moi, le directeur commercial va s'appeler Madame Ngomo, le directeur marketing ou DAF va s'appeler Ngomo Bibiche, Ngomo Tel. Vous voyez, ça devient comme une structure familiale. Et maintenant, en les recrutant, on n'a pas tenu compte que Ngomo Bibiche, qui est DAF, n'a pas fait la finance. Elle n'a pas, mais on va dire, elle va prendre dans l'État, elle va se battre comme ça. Alors, bref, c'est une logique. Certains pourront la justifier, selon eux. Mais alors, lorsque vous avez donc penché dans cette logique, vous devez savoir que ce personnel-là, vous devez donc l'initier, vous devez le former. Parce que même si le personnel n'est pas qualifié, vous pouvez qualifier votre propre personnel. Il y a des séminaires, il y a des formations qu'on organise pour le personnel. Sachant que la connaissance évolue au jour le jour, il y a des recyclages qu'on doit faire pour le personnel. Le personnel, pour les théoriciens de la ressource humaine, disent que le personnel même est le facteur clé de la réussite d'une entreprise. Certains pensent comme cela. Il y a les Freeman, les Denver en 84 qui disent que, en principe, l'entreprise n'appartient même pas à celui qui l'a créée. L'entreprise appartient au personnel. Parce que vous avez créé, vous avez confié votre gestion à des personnes. Ces personnes-là, maintenant, vont
créer de la valeur. C'est ces personnes qui travaillent, qui mettent du leur pour créer de la valeur et vous en bénéficiez. Donc, en principe, si le personnel part, il n'y a plus d'entreprise. Le personnel est donc capital. C'est pour ça que, sans parti pris, on parle, le chef de l'État dit toujours, on va dire, c'est vous qui avez le pouvoir. En démocratie, on dit, c'est le peuple qui a le pouvoir. Le pouvoir vient du peuple. Même en entreprise, en essayant de... On va rapidement sortir de cette parenthèse politique. On reste dans l'économie, on reste dans l'entrepreneuriat. On va permettre à Thierry de souffler un peu, de respirer, car il vient de nous présenter un très bel exposé. Nous allons donc prendre une autre vidéo avec la complicité de la régie. C'est également sur comment améliorer et optimiser les performances de l'entreprise. C'est une contribution vidéo. On regarde ça et on se retrouve juste derrière. Parfois, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, on a envie de pousser l'entreprise et ses collaborateurs à ce que ça aille plus vite, à ce qu'on aille plus loin parce qu'on est des performeurs, on a envie de progresser. Alors parfois, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, on a envie de pousser l'entreprise et ses collaborateurs à ce que ça aille plus vite, à ce qu'on aille plus loin parce qu'on est des performeurs, on a envie de progresser, on a envie d'aller chercher des objectifs et pourtant on se pose des questions, mais comment est-ce que je peux motiver mes troupes, comment est-ce qu'on peut optimiser la performance. Donc je vais vous donner trois clés, dont certaines qui sont vraiment issues du sport de haut niveau. Alors la toute première clé, je vais pouvoir vous la donner à travers un entrepreneur que j'avais accompagné d'une entreprise d'une personne où lui son rêve c'était de devenir la Porsche du bâtiment. Alors dit comme ça au début il avait un petit peu honte de me dire ça, il fait mais je peux pas dire ça etc. Et finalement quand nous on a vu que il a le droit finalement de s'autoriser et d'avoir la vision et de voir grand et de devenir la Porsche du bâtiment, et bien du coup il a pu communiquer avec son entreprise sur dire voilà les gars, aujourd'hui notre objectif c'est de devenir la Porsche du bâtiment. Pour ça, ça va être tous les bénéfices et il y aura aussi les inconvénients qui vont avec, c'est-à-dire que maintenant on va encore plus structurer, il y aura des normes que l'on va mettre quand on intervient chez le client, chose qui dans les autres entreprises de bâtiment autour de son secteur ne se font pas. Et donc en donnant une vision aux gens, un sentiment d'appartenance et deux, une vision genre on va aller là-bas, c'est top, on va pouvoir évoluer et ça va nous distinguer des autres et finalement c'est top parce que là, on va revaloriser en plus le métier du bâtiment. Eh bien, les gens ont automatiquement été beaucoup plus engagés dans le fait d'aller co-construire cette vision avec l'entreprise. Et du coup, il y a vraiment un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui s'installe. Et du coup, c'est la vision qui est partagée. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va aller voir les bénéfices pour nos clients de travailler avec nous. Comment ça? C'est parfois, des fois, les gens vont faire un travail mais voient vraiment pas trop du sens à leur travail. Genre ils font un travail, c'est juste un job, c'est pour se nourrir. Et finalement, vu qu'ils ne voient pas de sens, ils n'ont pas ce qu'on appelle la grinta, le feu sacré pour pouvoir se dépasser. Justement, en sortie de confinement, j'avais fait une conférence pour 150 collaborateurs d'un gros groupe et ce que j'aurais fait noter pendant la conférence, on s'était posé pendant 10 minutes et j'aurais dit voilà, à partir d'aujourd'hui maintenant, notez tous les bénéfices pour vos clients de travailler avec vous. Quels sont tous les bénéfices pour vos clients de travailler avec vous? Et maintenant, quels sont tous les inconvénients pour vos clients s'ils ne travaillent pas avec vous mais qu'ils travaillent avec un concurrent? Et du coup, en fait, en faisant ça, ils avaient vu que finalement, eux, ils avaient un service client qui était... Enfin, ils mettaient énormément de valeur sur le service client et ils percevaient que leur système de comment ils servent leurs clients était mieux que la concurrence et qu'ils mettaient quand même des services qui étaient plus haut de gamme. Et du coup, en faisant ça, à un moment donné, ces commerciaux, ils ont vu que on n'a pas le choix d'y aller, on n'a pas le choix de vendre notre produit. Et en fait, c'est là où c'est dingue, c'est que quand on perçoit que notre service va avoir énormément de bénéfices pour notre client, et surtout que si on est mauvais en vente par exemple, notre client va aller chez un concurrent qui est peut-être moins bon que nous. Alors dans ce cas-là, on a vraiment envie de vendre, mais en vendant, de servir l'autre en face. Et du coup, il n'y avait plus le choix en fait. Donc, c'était intéressant à la fin de cette conférence de voir que ces commerciaux avaient les crocs pour pouvoir s'engager et pouvoir vendre encore plus et faire du coup croître l'entreprise. Et donc, ce qui nous empêche sur le troisième point, puisque en faisant ça, naturellement, quand on voit tous les bénéfices pour les autres et du coup pour nous aussi,
que ça va apporter, bah, que l'on se dépasse pour l'entreprise, eh bien on accède alors à l'inspiration qui est selon moi beaucoup plus fort que la motivation. La motivation c'est quoi? La motivation c'est, allez, il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Donc si on regarde l'étymologie de motivation, ça vient de deux choses, ça vient de motif, ok, de motif et de movere, donc qui est le mouvement. Donc la motivation est un motif pour se mettre en mouvement. Donc il faut que je fasse ça parce que blablabla, je dois faire ça parce que blablabla. Alors que lorsqu'on arrive à voir tous les bénéfices au même degré pour mon client et pour moi, d'avoir ce qu'on en anglais on dit le fair exchange, l'échange juste servir et se servir et être servi, et bien du coup on est automatiquement inspiré. Et un être humain qui est inspiré, il est prêt à embrasser et le challenge et le soutien au même degré. Et du coup, il ne cherche plus les choses pour avoir les bénéfices sans les inconvénients, mais il va chercher les deux. Et donc, il peut se dépasser en étant aligné avec son système de valeurs. Et bien là, du coup, on a vraiment des êtres humains qui performent et c'est chouette à voir. Pour avoir accompagné aujourd'hui à plusieurs entreprises, c'est vraiment chouette à voir, de voir totalement une entité entreprise pouvoir se développer avec collaborateurs qui puissent s'épanouir et s'accomplir au sein de l'entreprise. Et voici pour aujourd'hui, pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner en cliquant sur la cloche. Alors parfois, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, on a... Des comptes. On est de retour, c'est ça les aléas du direct. Chers téléspectateurs, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. C'est tous les mercredis désormais sur TR24. Alors, on revient au docteur Tcheringomo, nous abordons la dernière ligne droite pour la fin de notre émission. On revient donc sur l'élément qui a motivé le choix de cette thématique, cette vague de licenciements que nous observons ces jours dans les entreprises. Est-ce que le licenciement peut être considéré comme une stratégie pour l'atteinte de la performance ou bien c'est un simple constat d'échec? Merci. Bon, je vais rectifier aussi quelque chose, cher aîné. Je ne suis pas docteur, je suis doctorant. C'est sorti parce comme que... ça. C'est peut-être une prophétie. Voilà. Merci. Parce que nous sommes un peu susceptibles. C'est un corps que je maîtrise. Donc, voilà. Je comprends. Alors, je suis le doctorant Thierry. Oui, le licenciement, c'est une décision qu'on prend face à une situation. Donc, une situation peut se présenter et qui impose la réduction de certaines charges. Et l'une des principales charges est souvent le personnel. On réduit le personnel à un moment donné, soit de manière périodique ou alors de manière définitive, pour pouvoir relancer en pensant que les économies qu'on pourra réaliser sur cette charge-là pourraient permettre. C'est une stratégie qui est régulière dans la gestion des entreprises ou bien des organisations. C'est assez régulière. Mais est-ce qu'elle vise également la performance? On peut l'associer aussi à la... Naturellement, lorsqu'on sent que les résultats ne sont pas assez bons, et qu'une charge pèse assez par rapport à la rentabilité, on réduit. Ce qui revient encore à l'élaboration, ce qui implique l'élaboration initiale de l'entreprise. Parce que lorsqu'on commence, surtout en Afrique, on a tendance à vouloir prendre tout le monde. Donc on s'entoure des personnes même qui ne sont pas assez utiles. Ce qui fait qu'à un moment, on se retrouve avec des charges salariales qui sont tellement énormes en voulant faire plaisir ou alors satisfaire les besoins ou les envies de la famille. On se retrouve à se surcharger pour rien. Donc, à un moment, on est appelé à réduire. C'est pas seulement dans le monde, c'est pas seulement au Cameroun. Hein. En France, on a vu la réduction dans beaucoup d'entreprises, la réduction du personnel. L'une des marches, l'un des motifs des gilets jaunes, c'était le licenciement abusif ou alors la réduction du personnel ou bien alors le taux de chômage qui a augmenté en France, qui a atteint presque 5 à 6% par rapport aux années antérieures. Donc la réduction du personnel est également une stratégie lorsque le besoin s'impose de réduire les charges pour pouvoir atteindre certains objectifs. On a Will qui a une contribution qui nous arrive là à l'instant. Quelles sont les actions à mener pour atteindre la performance d'entreprise?
l'entreprise, faire une analyse minutieuse de l'activité afin d'en dégager un modèle et les règles qui les régissent, spécialiser les employés et standardiser les processus, augmenter les heures de travail, réduire les salaires, faire du branding et du networking pour gagner plus de parts de marché. Une réaction? Oui, réduire. Vous savez, si j'emploie 4 personnes, les personnes à qui je remets 100 000, je peux proposer à 2 personnes de payer 150 000 aux 2 personnes et de faire le même travail. Je réduis l'effectif à 2, le salaire est réduit, mais j'ai le même. Mais de façon concrète, pour un peu quitter de la théorie, de façon générale, il serait mieux pour les entrepreneurs camerounais de comprendre que avant de se lancer dans une activité, il faut étudier le marché. Il faut étudier l'entreprise que vous voulez mettre sur pied. Parce que lorsqu'on se lance sans étude, la performance va en pâtir. Il faut également se sacrifier. Lorsqu'on se lance, ce n'est pas avec le premier bénéfice, parce qu'on a toujours cette tendance-là. Par exemple, ceux qui font dans la consommation d'alcool, un casier de bière vous rapporte une bière en bénéfice. Ah oui. Donc, vous devez vendre 12 pour avoir le bénéfice d'une bière. Et c'est avec cette bière-là que vous allez payer les charges. Lorsque vous vendez au prix normal, fixé par l'État. Donc, vous voyez que si vous consommez déjà vous-même une bière ou bien vous donnez une bière à votre ami, vous avez perdu le bénéfice. Si vous allez à deux, vous êtes déjà entré dans vos fonds. Absolument. Donc, absolument, il faut se sacrifier. Deuxième chose, il faut s'organiser. Comme j'ai parlé tout à l'heure de la discipline managériale, il faut se discipliner. Lorsqu'on fait, on dit le business, c'est le business. Je dois me lever à 6 heures pour aller à tel endroit. Je dois me lever, je dois dormir. Je dois encore me relever à 6 heures. Je travaille la nuit comme le jour. C'est un sacrifice. Puisqu'on définit l'entrepreneur comme une personne ou un groupe de personnes. Si tu permets un peu, Armstrong, grand frère. Lorsqu'on organise le travail, il faut distinguer l'entreprise de soi-même. Dans notre contexte, les gens confondent souvent son propre agent à l'agent du business, à l'agent de l'entreprise. C'est qui empiète beaucoup. Il faut chercher à se faire connaître. Il faut chercher le relationnel, le carnet d'adresses. Pouvoir vendre, voilà. Il faut communiquer sur ses produits. Certaines personnes sont toujours fermées à un espace précis. Lorsqu'on a grandi seulement à Ebolova, on se dit que je vais seulement vendre à Ebolova, oubliant que avoir des débouchés ailleurs. Augmenter les heures de travail, réduire les salaires, c'est des techniques ou des stratégies? Augmenter les heures de travail et réduire les salaires, c'est deux stratégies opposées au droit. Parce que le droit voudrait qu'on paye les travailleurs par heure de travail. Il y a un quota d'heures forfaitaire par rapport à un montant salaire précis. Donc lorsqu'on augmente déjà les heures, naturellement, les charges salariales devraient augmenter. Mais en temps de crise, on peut augmenter les heures. Ça, c'est en temps de crise. Mais en définition initiale, quand on commence, ce n'est pas nécessaire. Il faut plutôt employer moins de personnes et bien les payer que d'employer plusieurs personnes et mal les payer. Alors, une question, hein, ça c'est pour vous. C'est vrai que ça rentre dans tout ce qu'on s'est déjà dit depuis. Comment mesurer la performance d'une entreprise afin de l'améliorer? On a dit tout à l'heure que la mesure que le Camerounais applique le plus, connaît le plus, c'est la mesure sur le chiffre d'affaires. Donc vous avez réalisé quel montant des ventes. C'est la première mesure qui est plus appliquée aux petites entreprises ou bien aux entrepreneurs de bas niveau. Déjà, vous savez que si je vends, je vais dépenser tel montant pour entreprendre, il faut que je vende à tel prix. Et si je vends maintenant 15 ou 100 articles, j'aurai tel montant. À base de ça, vous pouvez mesurer votre performance. On a prévu vendre 50 produits, on n'a que vendu 10. On n'a pas atteint la performance. La performance ici est basée sur l'évaluation sur le chiffre d'affaires. C'est l'évaluation qu'on connaît le plus. Également, il y a l'évaluation sur la rentabilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je mise, j'aurai un pourcentage de combien en termes de gains. Ça, ce sont les évaluations qui se font un peu plus dans investissement. On essaie déjà de donner le taux de rendement. Mais ce n'est pas évident dans le monde entrepreneurial.
C'est pas évident de dire que je vais gagner 10% de mon argent, mais on peut facilement dire que je vais avoir une marge bénéficiaire peut-être de 1000 francs par produit si je vends un produit. La marge bénéficiaire également est une forme d'évaluation. On évalue selon le bénéfice qu'on pourra recevoir. Très bien. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission et nous allons permettre à notre invité de parler un peu de lui. C'est aussi ça le but de notre émission. C'est vrai, il n'est pas entrepreneur. Peut-être pas encore, ou qu'est-ce que j'en sais. Si. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vos entreprises, ou alors votre entreprise, sur quoi est-ce que vous entreprenez? Alors, avec les contraintes académiques, nous nous sommes lancés je me suis lancé avec certains amis dans les photocopies et la commercialisation des fournitures scolaires. Donc, on a monté une petite entreprise là, ou un petit secrétariat en général, avec une petite imprimante, une photocopieuse et quelques gadgets pour les étudiants. Ça nous permet un peu de d'arrondir les fins du mois, fins du mois les deux bouts. Naturellement. Voilà. Alors, ça se passe bien cette activité, parce que c'est ça l'intérêt de l'émission. Au-delà des connaissances théoriques, c'est un doctorat en sciences de gestion, j'ai failli dire sciences politiques. Et à côté de cela, il enseigne l'entrepreneuriat et il a appris à l'école dans le cadre des sciences de gestion, mais il pratique aussi l'entrepreneuriat au quotidien. Oui, oui, ça, grâce à l'école que nous avons faite, ça nous permet d'avoir déjà, ça me permet d'avoir une bonne idée sur le fonctionnement, sachant que je suis étudiant. J'ai eu la chance d'être à la tête de l'association des étudiants pendant une période et je suis l'un des leaders d'étudiants depuis 2015 jusqu'à peut-être l'année dernière où je me suis un peu libéré, mis en retrait pour laisser la place un peu aux enfants. Donc, ce qui fait que j'ai un carnet d'adresses qui est bien garni. En termes d'activité, ça se passe quand même bien, malgré les petites contraintes fiscales qui sont liées au paiement des petites taxes qu'on dérange souvent, mais nous sommes obligés, c'est le pays qui est fait ainsi. Nous savons déjà ce que nous voulons, nous savons ce qui est important. Comme le chef de l'État l'a dit, il faut qu'on ose, on doit serrer les ceintures pour pouvoir avancer. Et nous pensons que, avec, quand je dis nous, c'est les amis et moi qui avons mis sur pied quelques petites affaires qui sont assez diversifiées, parce que non seulement nous faisons dans le secrétariat comme ça, nous faisons également dans les cours d'appui, les cours d'appui aux étudiants, oui, les préparations au concours. Préparation, les cours d'appui académiques, nous essayons et l'intervention dans les IPS par-ci, par-là, dont l'homme fait le bon chemin. Également, nous faisons dans les transactions mobiles d'argent pour permettre de diversifier. Parce que nous pensons qu'il est très difficile dans notre contexte d'avoir une activité sur laquelle miser, étant donné que cette activité est périodique. Parce que là, voilà les congés, les vacances académiques qui s'annoncent. Il n'y a plus la ressource, baisser, il n'y a plus voilà. Le pouvoir d'achat. On est obligé maintenant de se lancer dans les préparations au concours. Nous-mêmes préparons aussi ces mêmes concours et ainsi de suite. Très bien. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de l'émission. Alors, s'il fallait coller un dernier mot, ce serait lequel? Sur la thématique ou alors sur autre chose? La performance dépendra de la vision de l'entrepreneur ou de la stratégie de l'entreprise. Et l'entrepreneuriat reste un domaine assez complexe, compliqué, qui nécessite particulièrement beaucoup de sacrifices. C'est ce que je peux dire aux entrepreneurs. Merci Thierry Ngomo d'être venu. Merci à vous, chers téléspectateurs à la maison, d'avoir été nombreux à nous regarder. Je rappelle, l'émission, c'est tous les mercredis en direct à partir de 17h. C'est également retransmis sur nos différentes pages Facebook et à travers l'application Télé-EPAC. Je vais simplement vous donner rendez-vous sur les antennes de Terre 24 pour les rediffusions, mais surtout mercredi prochain avec un autre invité, une autre thématique. Apprendre, comprendre et entreprendre, même si on a mal. S'élever, progresser, lutter, même si on a mal. C'est avec ces paroles de Kerry James que je vais vous souhaiter une agréable fin de soirée devant vos petits écrans. Ne zappez pas. Et surtout, gardez le sourire. Ciao, bye bye.